Construite à Mupompa, dans le secteur de Kabeyaka-Mwanga, dans le territoire de Mukamba, l'école primaire Étienne Tshisekedi a été inaugurée par le chef de l'État. Œuvre des mains des éléments du service national, elle compte 24 classes et va fonctionner en deux vacations, soit avant et après-midi. Ému, le chef de l'État a félicité le général Kasongo Kabwik pour cette belle réalisation. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires au standard moderne, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mupompa, à 45 km de Kabeyaka-Mwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remises au général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela six mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait. Et pas totalement, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national, une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs. Sous l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de significations pour le commandant suprême, parce que c'est là pour que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Miko Kabuta, bourgmestre de Mukamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En croire le général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba.